Salut tout le monde, c'est les Mikoupa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Pokémon Noir. Donc d'avance, désolé s'il y a du bruit de fond, c'est juste que voilà, il y a le ménage, c'est moi. Donc de toute façon, soit c'était ça, soit de... Ou c'est important alors. Goya m'a raconté ce qui s'est passé. Lemi, tu te retrouves dans une histoire incroyable. Elle était là, elle. Un rapport avec ceci? Ça, c'est comme le caillou trouvé dans le désert des Ulans. Ce n'est pas faux, mais en réalité, ça serait un Pokémon dragon. Voyons. D'après les résultats de notre expédition à la tour Dragospire, on y trouve des éléments du même âge que ceux de ce galet blanc. Tu veux dire, l'expédition que tu m'avais envoyé faire moi seul? Je m'en doutais. Bah, c'est pas grave, hein. C'est trop top de la chance que la team Plasma ait pas fait attention à ce vieux caillou quand elle est venue. En effet. Et je crois comprendre ce qu'ils voulaient faire maintenant. Ils ont volé le crâne en espérant ressusciter le Pokémon Dragon. Des légendes. Tiens, je te confie ce galet. Un instant, les mini. Avec ce galet blanc en ta possession implique de lourdes responsabilités. Tu devras affronter N si jamais il m'arriverait quoi que ce soit. Est-ce bien clair? Oui. Je respecte ta décision et je suis fier de toi. Alors reçois courageusement ce galet. Incroyable. Ce galet blanc est la clé de voûte de ce futur OEL. Pour les Pokémon et toi, Lemi, tu as de grandes responsabilités. Fais très attention. Lemi reçoit le galet blanc. Voilà, Reshiram est dans le galet blanc. Mais que diable réveiller ce... Oh, et puis merde, on s'en fout. Mais oui, tu as raison. Quel génie, Bianca. C'est vrai, je les avais presque oubliés. Lemi, direction Zanusia et Xasot. Le champion et les dresseurs de cette ville sont des spécialistes de type dragon. Donc voilà. Ils seront sûrement quelque chose. Je pars devant, ne traîne pas non plus. Ouais, mais je fais comment pour y aller en fait? Parce que je pense... Pas qu'à la ville de la 7ème arène on pouvait passer. Bien pensé. Watson aura certainement un indice à nous donner. Lemi, les Pokémon sont de ton côté. Tu ne dois jamais l'oublier. Quel genre de créature peut bien être ce Pokémon dragon? Quoi qu'il en soit, nous allons retourner au labo pour chercher comment le réveiller. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez le moindre souci, nous accourrons. J'ai rien compris. Mais bon, ça a l'air d'être une situation compliquée de toute façon. Tu sais où c'est Zanusia? Non. C'est de l'autre côté du pont ferroviaire qui démarre à Flocombe. Je crois savoir, mais j'ai un doute. Si tu comprends pas ce que je te dis, regarde la carte. C'est pour ça que j'avais un doute. Bon, bah, on va aussi s'envoler avec notre petit déflaison qui est toujours level 38. C'est très moche. Hein, il est là! D'accord, donc en plus, faut passer la route 8. Oh putain, ça va être chiant. Mais bon, maintenant, on a le galet blanc. Donc, c'est un peu bien. Mais bon, regardez la carte. Je vois pas la carte en quoi elle peut m'aider. Et donc, malheureusement, on n'est toujours pas en hiver. Hein. Donc, on peut toujours pas avoir ce putain de super bonbon. Heureusement que je l'ai... Merde. Attends, level combien? Ça peut être bien. Oh non, c'est de la merde. Là, on gagnera que 200 d'XP, ce qui est de la merde. Mais vu que c'est un Pokémon de type... Oh, et lui, c'est un Pokémon de type électrique et j'ai envie qu'il soit à level 39, alors je suis obligé. Merde. Bon, alors... D'accord, il est type sol en plus. Le Death Note, il est où? Je vais tuer les mondes. Attends, merde, c'est vrai ce que j'ai acheté. Oh, ça va être très chaud. Non mais arrête, le jeu! Le jeu me troll. Ça tourne mal. D'accord, ça servira à rien. Dommage, on peut pas faire d'échange miracle en donnant des CT. Ça aurait été cool. Total choix, je prends... Ouais, vas-y. De toute façon, je suis obligé de les prendre. J'aurais dû l'attaquer elle aussi. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Ce qui est très très con. Eh,
Niveau 36, alors là, je ne sais pas si on a trop XP. Je sais pas si on a XP, si on a bien XP, ou si tout simplement c'est normal. Parce que là, je pense qu'on a quand même beaucoup XP, sauf pour ce Pokémon-là et l'autre. Alors voilà. Allez. Merci, je m'en fous de ça. Oui. Non. D'ailleurs, je pense que toutes les Pokéballs qu'on a, on va les vendre pour se faire un peu plus de thunes. Enfin, on fera ça surtout quand on sera arrivé. On fera ça surtout quand on sera arrivé à. Ah merde. Bah, à la Ligue Pokémon, hein, on le fera. Attends, on est obligé de passer par là. Ouais, malheureusement. Attends, je regarde un truc. Bah, de toute façon, je vais devoir faire le combat, alors voilà. À tout de suite. Allez, on y va. Ah non, en plus, on n'était même pas obligé de faire le combat, purée. Ouais, bon, en même temps, c'est cool, comme ça, au moins, les Pokémon ont XP. Et c'est un peu ce qu'on a besoin pour le moment. Par contre, ça va me saouler direct. Mais pourquoi ils mettent pas son évolution de merde? On veut ton évolution, bâtard! Je me casse. Allez, salut. Merde. Ouais. Allez. Tiens, une Bécitrus. Trop bien. Waouh. Merde. Allez. Merci. Allez, on en a deux pour la ligue, ça c'est bien. Surtout pour le maître. Parce que il est ultra chaud. Non mais sérieux? S'il vous plaît, aidez-moi là, j'en peux plus. Merde, va te faire foutre, toi. Canard! Oh putain. S'il vous plaît, aidez-moi. Ce jeu va me rendre fou. Alors, le Death Note sur Pokémon Noir. Allez, le mec qui se fait pas chier. Ce jeu va me rendre fou. Ah bordel. Je me retiens que les maras là, je me retiens à fond. D'ailleurs, Feuillajou, on le fait évoluer maintenant ou pas? Ah, j'ai envie, mais on sait jamais. Ça se peut qu'il a encore des attaques. Déjà, c'est sûr qu'au level 43, il y a des chances qu'il a plus d'attaques. Allez, c'est bien. Et merde. Jamais parlé trop vite, apparemment. Oh, regarde, ce jeu va me tuer, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer, il va me faire rager, il va me faire rager, je vais gueuler ma rage, je vais gueuler ma rage. Putain, enfin.
Oh bordel de merde. Pourquoi est-ce toujours quand on est en pleine galère qu'on arrive à voir les trucs? Ce jeu va me rendre fou! Le pire, c'est qu'on la voyait même pas la pierre. Je regarderai avant de mettre la vidéo en ligne, je regarderai, mais moi je l'ai même pas vue, hein. Donc peut-être que vous l'avez vu, mais même pas moi. Et ça, je vous le jure. Voilà, je vous le jure sur la tête de mon chaîne, de ma chaîne YouTube. Non, je déconne. De ma chaîne secondaire. Après, quelle chaîne secondaire? Vous pensez que c'est la Team Koopa? Malheureusement, non. J'en ai une autre que je ne dirai jamais. Et je fais des jeux de PS4. C'est très violent. Je ne vous dirai jamais c'est quelle chaîne. Non mais sérieux, merde. D'ailleurs, la Master Ball, moi je me demande c'est quand qu'on l'aura. Mais oui, on l'aura quand? Je crois qu'on nous la donne. Déjà, je suis sûr que c'est N qui nous la donne, mais après, ça, je ne sais pas. Ah, sérieusement, en fait, on est venu ici pour rien. Putain, ce jeu va me tuer. En fait, non, il va pas me tuer, il va me faire rager surtout. Ouais, là, je suis obligé de m'acheter des rappels, c'est des rappels, bordel. Ce jeu me rend fou. Bordel. J'ai envie de tuer des Pokémon! Laisse-moi le buter des Pokémon! Ah oui, quand même. Ah, c'est pas rien. Non, on va pas déconner, on va en prendre au moins une vingtaine. Là, je suis vraiment obligé. Allez. Et en plus, on était au mauvais endroit depuis le début. Oui, c'était un très gros troll. Et même moi, je le savais pas, alors non, ne m'engueulez pas dans les commentaires. Enfin, bah merde, c'est vrai, vous pouvez pas. Je suis un vrai enfoiré parfois. Ah oh oui, ce jeu il est sorti, ce jeu Kirby. Waouh, on se demande de quel jeu Kirby il parle, hein. Ah merde, c'est vrai. À tout de suite. D'accord, faut passer par ici. C'est un fallait. Oh putain, non. Lemmy! Oh, les dresseurs que je peux me faire là hors vidéo, ça va être beau. Ces derniers temps, eh bien, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je veux faire et sur ce que je peux faire. Je voudrais devenir une belle dame comme Inazia. Ou alors étudier les Pokémon comme le professeur. Mais pour ça, il faut bien les connaître, alors je dois faire des combats. Elle était nulle cette punchline, hein, je précise. Hein. Oh, et puis la merde. Ah, oh, c'est la pire punchline du jeu. Attends, on est à la fin du jeu, il n'y a que 4 Pokémon. Mais c'est quoi ça, Bianca? C'est quoi, bordel? Bon, bah, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on va gagner plein d'XP. Donc, c'est ce qu'on voulait. Donc, c'est très bien. Et en plus, heureusement que je suis allé les soigner quand même. Parce que là. On serait dans la merde. Une très grosse. Allez. Et merde, il pleut. Waouh, tu utilises cette attaque-là. Bah oui, alors. J'ai le droit. Ah là 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 là
Ah là là, ce combat est chiant. D'ailleurs, les autres dresseurs hésitent à me les faire hors vidéo, hein. Ou voire même juste après ce combat-là, je fais une grande ellipse et je me fais les 4. Ou 5. Je sais plus, il y en a eu combien, mais je pense qu'il y en a 5. Oh, la violence. La violence. Mais respecte-moi, bordel. La salope. Ça veut dire que c'est sûrement son Pokémon le plus puissant, hein, qui sait. Par contre, je pense qu'à un moment, on va devoir utiliser Gros Tigeon. Non, Roi Tiflamme, pardon. Ouais. J'ai envie quand même que Roi Tiflamme gagne plein d'XP car il est niveau 42. J'ai au moins envie qu'il soit dans le level 44-45. Oui, ça abuse, mais alors que vas-tu faire? Ah, c'est chaud. What? Là, j'ai le droit de me chier dessus par contre. Non, quoi, mais. Rotiflamme, respecte-toi, merde. Bon, bah, Cyderella, fais psycho et endors-le. Allez hop, c'est réglé. Ça one shot des rats. Bon, ça one shot pas ce Pokémon apparemment. J'ai peur. Ouh. Ok, alors, choc psy. Ça, normalement, c'est puissant. Enfin, oui, c'est puissant. Enfin, oui, mais merde. Ouais, putain, t'as compris. Alors, rien gagné. Allez, lui, il est level 40. Hâte, c'est de la merde. C'est juste pour augmenter la vitesse. Et Déflaison est aussi niveau 40. Majaspic. C'est quoi ça? C'est pour ça que j'avais besoin de Roitiflamme d'un côté. Ah, je m'en fous, moi j'ai envie que Roitiflamme gagne de l'XP. Non, je le réanime. Même si je me ruine. Elle était pour toi. Elle était pour vous. Vous pouvez réutiliser cette petite punchline de merde, hein. Et puis si Roitiflamme se fait tuer par Majaspic, je me coupe. J'ai pas dit la suite. Ne dis pas, ah, il va se couper les couilles! Bande de pervers. Merde. Bon, déjà, il est plus rapide que nous, donc ça, c'est pas très bien. D'accord. Oui. Sa défense a aussi augmenté, donc on est un peu dans la merde. Donc, Nitro Charge, comme ça, moi, notre vitesse augmente. C'est bon, on a compris que t'as envie d'être cheaté, hein. T'as pas besoin de me le faire comprendre. Ah, mais c'est. Ça se voit tellement qu'il va nous enculer à un moment. Ouh, qui là on fait vraiment rien comme dégâts, ça fait mal. Là je commence à avoir peur. Là j'ai peur. Ah non, en fait ça peut passer. En fait ça passe ou ça casse là en fait. C'est ça le truc. Ouais, normal. Merde. Sérieux? Mais. Tuez-le! Mais tuez-le! Mais merde! Mais c'est quoi ce. La pute! Son Pokémon est cheaté, en plus elle le soigne. Non mais sérieux! Oh! Respecte-moi, Bianca, merde! Et après tu oses m'appeler. Mon ami! Pauvre pute. Alors là, j'en ai vu des Pokémon gamins, mais comme elle. Oh là là, c'est chaud. Enfin, des dresseurs gamins chiants, mais comme elle, c'est chaud. Ça fait mal. Alors, un Pokémon va être de retour. Il va être de retour pour vous jouer des mauvais tours. Ah. Oui. D'accord, je ferme ma gueule. Oui, non, là je le fais en ellipse parce qu'il est très chiant, hein. Allez, à tout de suite. J'ai dû reset mon jeu car en fait il s'était tellement cheaté car en final il faisait que le truc qui augmente son attaque, sa défense et tout. Donc il s'était très cheaté.
Donc j'ai dû reset mon jeu et tout, et donc là je suis à nouveau au combat, il l'a pas trop fait. Et donc aussi, bah, avant Mazaspic, il y avait Flotte ou Temps. Il y avait Flotte ou Temps. Et puis là, on va découvrir le quatrième Pokémon en même temps. Putain, enfin. Mushana. Merde. Bon, on va dire que ça passe. Allez, faut juste qu'on one shot celui-là et c'est réglé. Ou au moins qu'on l'éclate. Allez. Ok, c'est de la merde. Ah. Ce non-respect n'a aucun mot. Bordel. Le petit enculé. Mais qui est-ce qui éclate le type psy, à part le type spectre? Non, merde. C'est pas ça. Oui, rappel. Voilà, comme ça au moins lui il aura son XP, il sera level 43 et c'est ce que j'ai envie d'avoir. Bordel. Du coup, critique mon cul, tu les auras. What? Moi lui, ce qui est sûr, c'est qu'il va être niveau 42. Ça, c'est cool. Oh le chien. Quel fils de chien. Non mais merde. Je pense que je vais devoir refaire une ellipse. Waouh, j'adore ce. Oui, j'adore ce jeu carrément là. Waouh. Chaque fois que je regarde mes Pokémon, je sais que ça se termine. Ah bah, en fait, le type ténèbres éclate fait quand même pas mal de dégâts. Allez. Allez. Soit elle nous troll et donc en final elle utilise Gazon, ce qui sera très emmerdant, soit on a gagné. Ok, on a gagné. Putain. Ah, j'étais en stress là. Ah, ça m'a mis en sueur ce jeu. Allez, level 41, c'est cool, oui, on aime ça, nous. Allez, niveau 43, c'est ce qu'on aime aussi. Oh là 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 là. Oh oui, lance-flamme. Oh oui. Ah, oh, ça, je le dégage. Air de feu, casse-toi. Allez, casse-toi, va au diable. Ouais. Oh oui, 4000. Elle me rembourse. Oh là là, quelle force! Ça m'a tellement remué les bretelles, tu mérites un cadeau. Je m'en fous, bon merci au moins, j'en ai un au moins pour acheter, mais voilà. Quand la vilaine type plasma m'a volé mon Pokémon chéri d'amour, a voulu citer, même moi j'ai compris. Si ces méchants gens libéraient les Pokémon de force, il y aurait plein de gens tristes. Lemmy, tu dois les arrêter. Il faut pas que les gens qui aiment les Pokémon soient séparés de leur petit chéri. C'est dans l'idéal, non? Ou alors la réalité que tu veux vivre, enfin je pense. Ben voilà, c'est ce que je voulais te dire en fait. J'aurais voulu te faire rire pour que tu puisses te détendre. Mais bon, t'es pas en sucre, tout ira bien, j'en suis sûr. Bien, très bien, trop. Oh, la force là, allez, casse-toi. Oh, Bianca la forceuse. Stylé quand même cet endroit. Et donc, nous sommes arrivés. Ah non. Le pont ferroviaire. Bah, on va s'arrêter là. Et puis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce Stélémique ou pas. Et putain, on a eu les. On va avoir les 100. Et puis moi, je vous dis salut tout le monde!